Bon, voilà les amis, on va commencer la séance de shipping de sur le SDKFZ. Voilà. Donc, j'avais mis mon primaire, j'ai passé une couche comme eux mettaient d'antirouille, l'aluminium de plomb comme ça. Et après la couche de finition, mais entre la couche de sable et le minimum que je vais dire, j'avais passé une couche de vernis brillant, de vernis brillant, de laque brillante, hein, laque qu'on met dans les cheveux. J'ai ça, et puis on attend un petit peu, quelques heures, et voilà, bon, on va pouvoir commencer. On mouille un petit peu. On fait ça à certains endroits. Laisser travailler un petit peu le produit. Bon, c'est un truc qui n'est pas nouveau non plus. C'est ce qu'on faisait dans le temps qu'on n'avait pas les produits pour faire les shipping. On prend un pinceau un peu plus dur. Voilà ce que ça fait. Donc, ça enlève la première couche de peinture. Mais ça protège celle qui se trouve en dessous. Donc, on enlève la première couche. J'espère que ça se voit. Je vais essayer d'enlever un maximum d'eau. Voilà. Vous voyez bien, oui, normalement ça doit être bon.
Voilà, je vais faire ça là-dessus, surtout. Bon, le shipping maintenant, c'est un petit peu à sa convenance. On le fait fort prononcé ou moins prononcé. Et alors, l'avantage avec ça, c'est que en faisant du shipping, surtout pour la partie vieillissement, de la maquette, on sait travailler un petit peu comme on veut. On insiste sur les endroits où on veut qu'on a enlevé de la peinture. On enlève plus d'un côté, un peu moins de l'autre. Oui, le chien est arrivé, comment il est malade? Quand ça sera fait, je vais faire un petit lavis. Ça rentre un peu partout. Et après, un léger dry brush pour passer, pour faire sortir un peu les stries du plancher. Voilà. Voilà. Une pièce de fait, on va attaquer l'autre.
Mon deuxième siècle, c'est ce que j'ai mis, moi. Bah, il est là. Et ben voilà, le shipping c'est fini. Mais ici on va peut-être mieux. J'aurais dû recentrer un peu plus. Ben voilà un résultat, donc vous avez compris. Hein. Quand vous avez mis votre peinture de finition sur la laque à cheveux, on attend quelques heures et après on vient avec un pinceau et de l'eau et on frotte aux endroits qu'on a envie de faire partir de la peinture et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, j'aurais dû peut-être en faire un peu sur le bord de la radio ici. Trop de reflets avec la langue. Pas assez clair. Il n'y a rien de chinois pour faire ça, c'est tout simple. Ici, là. Alors, mon petit essai avec mon banc. Ouais, il y a des travaux dans la maison et chien, il entend du bruit, du bruit, du bruit, il n'arrête pas d'aboyer. Voilà. C'est pas plus mal avec ça que de mettre rien qu'en peinture bois là-dessus. Enfin, on voit les planches de bois, mais bon, c'est. Et en plus, avec toutes les vidéos que j'ai faites, toutes les photos que j'ai été voir, on trouve des versions que ce n'est que des sièges
en cuir partout. Il y en a, c'est du bois en lacis, c'est les dossiers en cuir, enfin bon, il y a un petit mélange de tout. Alors, et même sur une version, on peut trouver les deux variantes. Alors, je me dis, ça c'est quand même mieux. Voilà. Non, dites quoi? Hop là. Non, je trouve que ça donne un effet un peu plus. Ça donne un plus bel effet quand même de le faire comme ça, quoi. Bon, ben, je vais arrêter la vidéo. Enfin, je vais la mettre sur pause. Un petit instant, le temps de préparer les affaires. Parce que faut que je fasse les compteurs ici. Bouton de radio à gauche, à droite. Jouer avec un petit peu de couleur. Les boutons. Donc le temps que je prépare les affaires, on va se retrouver tout de suite après. On voit la partie pour la mise en peinture. Du tableau de bord. Quatre tirés, j'aurais plus facile. Voilà. Là, je fais ma peinture assez liquide, comme ça, elle s'étend toute seule dedans, elle-même. Voilà, comme ça en séchant les aiguilles, les fils vont ressortir un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais passer sur quelques éléments ici. Jack, tais-toi un peu. Yeah.
Prends ta nouvelle peau, un ski de mon noir. Bon, ça, c'est pas ça. Il me semblait que j'avais un autre pot noir, moi. Ah oui, ici. Que je nettoie un petit peu. Peut-être un peu trop liquide, ça. On va voir. Jack.
avec une goutte de noir à côté. Une peinture un peu plus épaisse. Mais voilà, ça va mieux. Voilà. Mettre le pied dans l'endroit. Voilà. C'est vrai qu'on ne verra pas grand-chose du fond, mais enfin. Et quand ça, ce sera mis là. Voir ce qu'il a parce que c'est pas possible. Voilà les amis, je vais arrêter la vidéo ici parce qu'on ne va plus s'entendre. J'ai du monde qui vient d'arriver à la maison. Allez, à la prochaine les amis.